Bon alors. Alors, les parchemins. Il y en avait une qu'on avait trouvée dans la Lausanne onirique. Toutes les aides de jeu dont vous avez que vous pourriez avoir sont toutes dans l'image. Si Ouais, vous vous alors manquez si quelque vous chose. voulez les trucs à mon avis les plus intéressants, c'est document lausannois numéro 2, le numéro 3 et les documents vinkovciens numéro 7. Alors, toc. Parce que ça n'a rien à voir. Ça peut même plus être parfait. J'ai laissé des trucs en partage que je recours. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le trou. Mais c'est quel parchemin que tu cherchais, ouais, pour moi? Celui que je cherchais à la base, c'était le document lausannois numéro 2, mais en fait, je pensais qu'il y avait des trucs dedans qu'il n'y avait pas. Non, il en parle uniquement en fait. Mais Le il document lausannois. parlait. Ouais. Document lausannois numéro 2. Ouais, c'est celui-là que je cherchais, mais en fait, c'est pas là où il y avait des infos qui m'intéressaient. C'est, je dirais, le 3. Et Vinkovcien numéro 7, parce que voilà. Mais je pense que en tant que Lady Autoline, qu'il n'est pas question que Lord Richard tourne à l'illuminé, que pour à moins que Monsieur Stevens ait vraiment des arguments très très forts, on peut pas prendre le risque de laisser Lord Richard Ben, on va le... tout tourner. Est-ce que tu Ouais, trouves bien je ou tu vois. l'as trouvé le document numéro 3? Tu l'as trouvé? Non? Parce Dire que... où est-ce qu'on l'a. Lausanne, c'est le... C'est On l'a le... vu. Je dis pas les trucs qui étaient, tu sais, dans la ville. Comment on l'a vu celui-là? Fin du rêve, on avait dit qu'il a fui. Le prince puzzle. Ben c'est pas celui qu'ils avaient caché, ça? Ah, c'est toi, MJ, hein, c'est pas nous. Je me souviens plus, mais c'est pas. Si, c'est celui qu'il avait caché. C'est Bon, après, de ça. toute façon, ouais, ce qu'on dit, je crois pas que Lady Autoline se souvient, elle puisse se souvenir de tout ça. Non, Mais elle ce peut qui est plus faire certain, un rapprochement. c'est que pour moi, enfin pour Lady Autoline plus exactement, Lord Richard a perdu la raison, hein, quoi qu'il puisse affirmer. Hein. Oui, mais c'est pas parce qu'il a perdu la raison temporairement qu'il est Mais je vous définitivement rappelle que je suis toujours perdu. dans la pièce, hein. Vous parlez de moi à la troisième personne. Oui, mais tu es un malade que nous essayons de soigner, Lord Richard. Donc nous ne prêtons pas, comme tout bon Lady, médecin, est-ce que j'ai l'air malade? Est-ce que comme tout je bon médecin, divague Monsieur Stevens parle de toi à la troisième personne, devant toi. Il faut juste que vous ayez les yeux ouverts et me faire confiance. Mais si vous vous trompez, Monsieur Richard, c'est bien ça le problème. Et je reste à ses côtés et je m'assure que effectivement, Richard garde Et de si, pleines possessions de ses moyens. si nous arrivions à un compromis, essayez de contacter celui que vous avez vu en rêve, histoire de voir exactement ce qu'il en est. Le contacter? Prendra contact avec nous, je pense, et on avisera à ce moment-là. Oh, donc vous voulez remonter l'artefact, enfin laisser Monsieur Stevens le monter, et après nous mettons nous attendons qu'il arrive, c'est bien cela. Je sais pas s'il arrivera à nous ou s'il faut lui apporter, mais il prendra contact avec nous à tous les coups, dès que le moment sera venu. Un petit instant, alors il faut que je discute avec Miss Poppy en aparté. Ouais, d'abord. On peut pas longtemps en On s'en va? aparté? User left your channel. User joined your channel. Ah bah non, bah je veux pas être avec vous, moi je veux être... Attends, je devrais pas être là. User was moved out of your channel. Non, merde, attends. Non, c'est pas moi.
C'est bon. Non mais parce que là j'arrive plus non plus. Oui, donc si je chuchote à Poppy, son histoire est complètement démente. Mais si nous devons, si nous devons détruire le CDFCAR, le meilleur moyen est peut-être de le détruire avec l'entité qu'il convoite. Si nous nous en servions pour monter un guet-apens. Mais avec un peu de chance, Lord Richard se fera détruire par la créature qu'il appelle de tous ses voeux. Comme ça, j'aurai pas besoin de le descendre moi. Et puis en même temps, ça nous servira à faire venir l'entité que nous pourrions détruire en même temps que mais c'est fichu artefact. C'est pas trop risqué. Enfin, c'est peut-être quelque chose de très puissant, plus puissant que l'espèce de vampire qu'on a eu dans le train. Et si espérons que son attention sera suffisamment détournée par l'artefact pour que nous puissions agir. Si nous laissons, si j'arrive à tuer Lord Richard, ce que je ne souhaite pas, mais que je peux très bien arriver à faire, et nous ne serons plus que trois. Je ne crois pas que le Dr Stevens nous soit d'une aide formidable. Il va essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Pensez-vous vraiment qu'à deux, nous arriverons à détruire cet artefact? Ben, je sais pas. Je pense qu'il vaut mieux jouer, faisons semblant d'être d'accord pour l'instant, en attendant le moment propice pour trouver le moment propice pour détruire cet artefact. Qu'en pensez-vous? Bah, ouais, de toute façon, hormis les descendre tous les deux, il n'y a pas grand-chose à faire. Oui, mais s'ils pensent qu'ils nous ont convaincus, alors que entre nous, nous savons très bien que nous ne le sommes pas, peut-être arriverons-nous à les manipuler. Après tout, ce ne sont que des hommes, c'est vrai. C'est exact. Bon, faisons ça alors. Allez, ça marche, c'est bon. Juste pour info et pour mi. Ça peut être intéressant de savoir. Non, parce que je suis en train de manger en même temps. Ah, mais enfin, je vais mettre. Juste info pour savoir. Le document lausannois numéro 3, d'accord? Oui. C'est un exemple du délire de CDFCAR lui-même. C'est tiré des parchemins de CDFCAR. Okay. Ah, c'est ça. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Parce que, en fait, pour moi, mais Lady Autoline, je me souviens plus si elle a lu les trucs de Lausanne, enfin, j'en sais rien. Mais pour moi, ce qu'il me racontait, ça me faisait trop penser à ça. C'est pour ça que. Le document lausannois numéro 2, c'est l'essentiel du contenu du texte du parchemin. Du parchemin. Mais le document numéro 3, c'est les pensées. Et l'histoire sans queue ni tête de CDFCAR lui-même. C'est les notes de CDFCAR en fait. Ok ? Ouais. Ouais, mais alors. Ouais, non, rien. Quoi ? Donc la divinité auquel il veut faire appel ou quoi que ce soit, Lord Richard, c'est bien CDFCAR, c'est bien ce que j'avais compris ou quoi ? Bah ça. Non, moi je pense plus que c'est l'écorché, non ? Bon, bref, de toute façon, ouais. Ben, de toute façon, moi, moi, ce que je te dis, c'est on la joue. Voilà. Perso, oui, vous nous avez convaincus, et puis ben, on n'attend qu'une occasion pour se débarrasser. Et on s'arrange pour les mettre en première ligne, du coup. Aussi. Ouais, on peut faire ça. On va essayer. Donc, bon, vous n'avez plus aucune confiance en. Non. Au Lord et à Yann. Non. Bah non, bah ils sont pas convaincants en même temps. Ils sont convaincants pour se faire descendre. Ok. J'ai précisé tout à l'heure à Yann Stevens quelques trucs qui, je pense, t'ont sauvé la peau. Les diotolines. Oui. Il oubliait des trucs. Il m'a dit coupé pour. Bon, bah, merci tout le monde. Ça roule. Vous avez fini? Oui. Okay. Ça va, tu savoures? Je prends un grand plaisir. Tu m'étonnes. Ah bah, c'est fait pour en même temps les fins de campagne. C'est normal, hein? On en reparlera plus. On va y arriver. Et on va les buter, puis ça sera réglé. On a tout entendu. Se passe-t-il? Vous êtes toujours là? Vous avez fini de chuchoter? Oui. Bon, on peut aller dormir maintenant?
Eh bien, oui, votre raisonnement nous a fait réfléchir, Lord Richard. Donc, nous nous aviserons demain. Nous essaierons de suivre votre plan aussi improbable soit-il. Ah, je suis ravi que vous soyez revenu à la raison. Et comme je vous le disais, médecin et je surveille la bonne santé de Lord Richard, qui ville qui a absolument rien à tout ce qui est de plus irréprochable jusqu'à présent. Je lui tapote sur la main, même si elle a toujours le fusil, je lui dis vous verrez vous aussi. Oui, alors comme vous l'a expliqué Monsieur Stevens, il n'est pas sûr d'arriver à avoir à la même adresse qu'il a eu la première fois pour vous, donc nous remettrons cette expérience à plus tard néanmoins. Pardon ? On va se coucher. C'est ça, je ne tiens pas à me faire découper et ressusciter par le docteur Stevens. D'accord, mais apparemment ça semble un peu compromis pour ce soir. Voilà, pour ce soir. Ah putain, j'aurais trop aimé que tu la butes et puis l'autre il arrive et fait mais non je peux pas en fait. Attends, Ah bah c'était à deux doigts. Bah oui, c'est pour ça que je... C'est pour ça que t'es intervenu. Ah, pas intervenu, je t'ai stipulé non, quelque chose que ton personnage a vécu, donc Tu as bien fait de me le repréciser, oui. Juste, enfin voilà, ton personnage le sait, donc je n'ai intervenu en rien, j'ai juste frotté les mains et rigolé. Merci pour cette heure. On fait ça quand vous voulez, les gens. Bon, on se fait la bise et bonne nuit. C'est ça. Oh, mais t'as un super plan et tout. Bon, oui, mais t'inquiète pas, il est encore utilisable. Okay. Bah, tu peux toujours servir, hein. C'est l'heure, là. Ok. Là, je finis la garde de nuit. Parce qu'il faut quand même garder. Oui, tout à fait. Oui, ne quittez pas les yeux. Donc je rectifie, la campagne se finit pas avant une dizaine de séances. Ok, et eh ben j'ai envie de dire la nuit se passe enfin. Et vous voilà au petit matin. Je ne sais pas qui a fait les derniers tours de garde. C'est moi. D'accord. Eh ben, tout s'est très bien passé. Ok. Bon. Donc maintenant, à vous de me dire ce que vous faites. Déjà voilà. Que vous soyez tous là et qu'il n'y ait pas eu une effusion de sang, c'est déjà... c'est déjà un miracle. Il faut que j'aille voir s'il y a des messages pour Lady Otoline de Londres. Ouais. Tout à fait. Donc, on se met d'accord sur la marche. J'assure. T'as un message qui est arrivé, il y a vraiment... En fait, t'arrives en bas, le mec est en train de raccrocher. Ah. Celui qui est au téléphone tire une sale tête. On te regarde. Eh bien, dites, mon ami, que... Transmettez-moi ce message. Il m'a dit que... Il était grandement inquiet et qui faisait tout pour retrouver sa fille qui a mystérieusement disparu. Bon. Au moins, s'il la cherche encore, il ne l'a pas retrouvée. Il reste de l'espoir. Ok. On prend le petit déjeuner là en préparant notre... Bien. On se regarde en chien de faïence. Avec double dose de café, parce que ça fait encore une nuit, on dort pas trop là. On fait une entorse au régime anglais au thé là, c'est du café turc là. Donc ça pourrait que Gladys. Tu peux avoir du thé hein, si t'as envie. Hein. Ah non, non, là il faut quelque chose. Ça fait déjà beaucoup de nuit là, qui se passe pas bien. Hein. Donc là la cuillère elle tient toute seule dans le café là. Du café turc. C'est ça, elle tient toute seule. Alors, le café turc, faut savoir que je vais peut-être déjà raconter. Mais il faut savoir que t'as le marc qui est servi avec. Oui, tu ouais. Manges avec, en même temps. T'as le marc. Bah, tu le manges, il reste sur les dents. C'est ça. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé ou pas. Mais moi, oui, le café avoir. Italien, c'est un peu le même genre. Là, non, moi, j'ai un Turc qui me dit tu... Putain, je fais des digressions. Il me dit ouais, tu veux boire un café? Ah, ouais, j'adore le café. Ah, bah, putain, la vache, plus jamais. Café sans l'eau. Ouais, c'est ça, ouais. C'est comme si tu mettais ton paquet de café dans de l'eau, en fait. Ok, c'est parti. Donc si
En fait, c'est une... Ça conforte notre suspicion. A priori, Miss Gladys serait probablement à Constantinople, alors. Eh bien, et... rien ne prouve le contraire. Oui, ouais, tout à fait. Est-ce qu'on va à l'aéroport pour essayer de voir s'il est venu sous un nom d'emprunt ou sur son vrai nom, j'y crois guère. Peut-être que vous, Miss Hoteline, vous arriverez peut-être à reconnaître un de ces noms d'emprunt. J'ai bien peur que ça soit comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je préférerais qu'on nous allions voir cette fameuse mosquée. Voilà, je rejoins Lady Hoteline. Avec un sourire. À ce moment-là, je me joins à vous. Ok. C'est les mouettes, c'est pas mal, le Bosphore. Les mouettes dans le Bosphore. Ouais, c'est compliqué. Donc cette mosquée rouge, ou rose, ou comme vous voulez, cette vieille mosquée. Je sais plus le nom que vous aviez, oui, c'est une mosquée rouge. Rouge, oui. Vous la trouvez au nord de Constantinople. Alors j'avais un plan dans le temps. Ah, c'est ça. Non, c'est pas ça, si c'est ça. Tac. Alors. Bah, j'ai plus... Ça fait une heure que je maîtrise plus, là, j'ai plus l'habitude. C'est vrai que j'en trouve pas le plan de Constantinople. Et je vous le donne tout de suite. Ok. Ouais. Je sais pas si je vous l'avais donné ou pas. Ouais, moi je crois que j'ai pas partagé ce truc là. Ok. C'est bon, je fais pas de bêtises. Donc, si, si on l'avait eu. On l'avait eu. Un boule. De toute façon, on voit rien là-dedans. Bon. Ok, donc ça se trouve plus par là, Stamboul. Stamboul, hop là. C'est mieux. Ah là, voilà, c'est des gros mon truc. Comment on fait ça déjà? Comme ça. J'ai ton curseur. Oui, c'est pas grave. Ok, donc ça se trouve plus vers le nord, ok? Ça marche. C'est bien le nord là, le Bosphore, machin, oui, on va dire que c'est ça. Et on est où là en fait à la base? Vous êtes dans. Hôtel Péral 9. Ouais. Tu le vois? Ok. Ça a été super mal scanné, je sais pas qui c'est qui fait ça. Mais. Hôtel Mira Palace, c'est ça, vous êtes là dans le 9. Donc vous êtes dans ce qui est loupé. Parce que oui, il y a la petite loupe. Je suis incapable de vous dire où est le 9. Ouais, je vois pas non plus. Il est au-dessus, non? Il est au-dessus. Il est à Péra, non? Il est à Péra, voilà, oui, c'est ça, t'as raison. Il est là, ouais. Vous êtes pas du tout là en fait. Voilà. Ah oui, ok. Et ça, c'est passé là. C'est passé là. Si, c'est là. Alors, attends. Hop. Donc, si j'ai quand même fait une bêtise. Voilà. Alors, attendez, 2 secondes, je suis désolé. On va aller au nord de Constantinople, là, on va au sud. On va au sud. Ça, c'est qu'il y a un truc, voilà. Hop. Vous l'avez peut-être vu, mais c'est pas grave. Non, j'ai vu une page blanche. Voilà, tac. Ok, et donc, la mosquée, elle est là. Donc, je vous raconte peut-être une connerie. Parce que. Alors, pas du tout, elle est pas du tout au nord, elle est à l'ouest. Parce qu'elle est. Là. Voilà. Il y a juste à traverser le pont, là, le fameux pont que je vous avais fait voir en image. Si vous en souvenez, tac, voilà. Parce que vous êtes quasiment au pied du pont et le pont et enfin l'hôtel est quasiment le Péra Palace est quasiment au pied du pont. Enfin, il est pas très loin. Non, c'est une connerie. Non, si c'est ça. Vous. Ok, d'accord. Hop, tac. Ce pont, je me souviens plus. Bon, c'est pas grave. Il y avait un pont. Ah, le voilà. C'est ce pont-là, en fait. Ok. Le pont qui traverse... Ah, classe. Voilà. Vous êtes d'un côté du... Je sais pas vous dire de quel côté du pont vous êtes. Ouais, je suis en train de terminer. Je pense que vous êtes de l'autre côté, vous, en fait. Vous êtes pas en... Vous êtes là où il y a la grande tour et tout ça, je pense. Ouais. À moins que ça... Je sais pas. Si, je pense que... Ouais, voilà, votre hôtel est de ce côté-là. Le côté qu'on voit en premier, en fait. Oui, c'est ça. Oui, je pense aussi. Là-bas, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais, parce que l'ombre, elle va au nord.
C'est pour vous situer, quoi. Vous avez ce grand pont à traverser, et après, vous dirigez à l'ouest, et vous pourriez trouver cette mosquée. Est-ce que vous passez devant quelque chose d'intéressant? Ouais, vous passez devant lui. Vous y allez comment? Vu la longueur, en voiture, je pense. En taxi, ouais. Ok. Bah, donc on est... Une petite diligente, là. Matin, il faut 10 minutes pour y aller en voiture. Hein. Ouais, 10 minutes, quoi. C'est quand ça roule bien. Enfin, vous voyez que des fois, c'est un peu le bazar. Mais comme vous dit le chauffeur, il n'est pas obligé de passer par le souk, donc tout va bien. Et de notable, vous passez devant... devant l'université impériale ici, qui se trouve ici, et on vous dépose donc devant cette mosquée qui est donc appelée la mosquée rouge, qui ressemble à ça. Magnifique, très engageante. Ouais, ça a pas l'air trop en ruine, ça va? Oui. Hop. À moins qu'il quitte la façade et que derrière il n'y ait plus rien, je sais pas. C'est ça. Donc. Alors. Si, elle est un peu en ruine quand même. Enfin, elle est pas en ruine, ruine, mais. Alors. Tac. Cette mosquée. J'y suis. Il vous dépose devant la mosquée. Est-ce qu'il vous choque immédiatement? Enfin, vous choque, vous saute à l'œil immédiatement. C'est que cette mosquée est visiblement, elle est bien abandonnée et décrépie. Ses murs sont recouverts de boue et de saleté. Il y a même des animaux morts et plein de détritus qui sont empilés contre le portail. Alors le portail, vous ne le verrez pas là, le portail il est un peu plus sur la droite. Okay. Y a une double porte qui est fermée. Et devant, sur les marches, là il y a une demi-douzaine de personnes qui sont assis sur les marches. Il y en a qui sont en train... Il y en a qui font les 100 pas entre les marches et la grille. Et vous êtes devant... Enfin, je sais pas. Après vous avez... Vous avez demandé de vous faire déposer juste devant ou... Quand on voit ça, on peut demander effectivement de poursuivre un peu plus loin. Un petit peu plus loin, oui. Ouais, d'accord. Il vous dépose un peu plus loin. Ça marche. Est-ce qu'ils ont un aspect particulier, les gens qui sont devant? Ça ressemble à des gens pauvres, riches, SDF Non, ça ressemble à des Turcs. Après, c'est pas des riches, quoi. C'est clairement pas des riches. De toute façon, t'es pas dans un quartier de riches, là. Ouais, mais ça ressemble pas à des personnes qui ont... Enfin, des SDF, quoi. Non, mais ils ont... Ils ont l'air pauvres, mais voilà, quoi. Voilà, ouais, ils ont pas vraiment... C'est quoi ce... Ah, oui. Ils ont pas vraiment d'habits, tu sais, ils ont pas la robe. Ça s'appelle pas une robe, mais je sais plus comment ça s'appelle. La djellaba. Ouais, non, c'est pas la djellaba, mais ça ressemble un peu, ouais. Voilà, est-ce qu'ils ont un fez? Oui. Oui, comme... mais attends, j'ai envie de dire comme 90%, comme tout le monde, ouais. Même les Anglais, hein. Enfin, tout le monde porte le fez. Enfin, je sais pas... Il l'avait interdit, il est revenu au goût du jour, donc oui, il y a plein de monde qui porte le fez aujourd'hui. Donc comme 80% des gens que vous voyez traîner ici, ils portent un fez, ouais. Et comme vous seriez chez vous, vous pourriez porter un chapeau ou une casquette, c'est pareil. Ou un chapeau pour ces dames, enfin, c'est pareil, quoi. Un chapeau melon, je vous prie. Voilà. On en fait le tour? Ça va être difficile de faire le tour. Parce que c'est des murs qui montent haut. Si tu... Ok, donc t'as une enceinte. Les deux derrière, t'as pas accès. D'accord. Et les murs sont en bon état extérieur? Je t'ai dit que c'était sale, que c'était dégueu et que c'était un peu décrépit, ouais. Donc ils sont pas forcément en très bon état. Et les animaux morts, c'est quoi? C'est des abandons? C'est des animaux qui étaient attachés? Comment ça se fait qu'ils sont... Où ça a été ramassé et déposé? Tu sais pas. C'est inexplicable. Ouais, enfin...
C'est des ouais, t'as un chat qui est là, un chien mort qui traîne dans le coin, voilà quoi. Mais tu te dis, ils prennent pas trop soin de leur rue ici, quoi. Enfin, c'est le minimum que tu puisses te dire. À 2 minutes, je vais aller régler le tord le cou à mon chat, je crois. Faites quoi? Il y a moyen de rentrer par une autre porte? Alors, est-ce qu'il y a moyen de rentrer par une autre porte? Non. Tu ne trouves pas d'autre entrée en tout cas. En faisant le tour comme ça, tu ne vois rien de... Tu ne vois rien qui pourrait te permettre d'entrer. Là, si on veut rentrer, déjà on est pas sûr que ça soit ouvert, mais on passe devant tous les gens là. Et... C'est pas très engageant. Ouais, enfin. On peut faire une diversion peut-être. Ah, Steven, s'il parle turc, il peut peut-être leur discuter quelque chose, je sais pas. Ouais, je peux aller à leur rencontre pour voir de ce qu'ils font ici. Parce que je suppose qu'ils parlent pas anglais donc. Allez, je vais les voir. Je vais les voir et je leur demande une cigarette. Après la discussion, je dis que j'ai beaucoup voyagé, je leur raconte ma vie. Dégagez. Et c'est clair. Bon, j'insiste pas. Courageux comme je suis. Je n'insiste pas. Fais-moi un jet de toc, Yann Sivan. Ok. Tout va bien. Habituel. À quoi je pensais? Oui, vous pouvez tous au moins. Oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Vous pouvez tous vous mettre une croix en discrétion et une croix en écouter. J'avais fait des jets de quoi tout à l'heure? Écouter. Ah, c'était écouter. Toc. Non, mais dans les chambres. Ah, pour nos actions dans les chambres. Vous avez tous au moins réussi une croix en discrétion et en écouter. Oui, en écouter. Je sais plus si vous en aviez lancé ou pas. Mais... Non, pas moi. Enfin, c'est moi j'en avais lancé un, mais tu m'as pas donné le résultat. Oui, bah, pour votre beau roleplay, vous cochez ça. Allez, c'est bon, on n'en parle plus. Tu as rien vu, mais ouais. Tu t'es fait reconduire manu militari. Bien. On sait à quoi s'en tenir. Quand t'es arrivé, il y en a un qui est rentré directement. Moi, je propose qu'on. Enfin, je m'éloigne même à la limite, je vais pas dans la direction de mes amis pour leur attirer l'attention dessus. Elle m'a pas l'air si abandonnée que ça. Et puis après, je reviens voir mes compagnons. ok. Oh, bah, c'est bien fermé, hein. Enfin, oui, surtout c'est pas fermé, peut-être pas, mais il y a du monde. Oui, tout à fait. On pourrait aller... Recrudescence du culte des frères de la chair. Si on revient de nuit, ça va pas être plus facile. Et nous ne devions pas... Sinon, notre piste, nous avions le nom là d'un... Il ne reste plus que cette piste-là. Vous êtes toujours devant la mosquée? On est devant, là. On est plus ou moins devant. Ils sont tous rentrés à l'intérieur. Non. On ferme et on bloque les portes. Non, pardon. C'est une manie, Lady. Est-ce que ça serait lors de la prière? On n'a pas entendu des cloches ou des trucs appellent... Des cloches, ça m'étonnerait. Non, les cloches, sais, non. Ils appellent à la prière. Non, mais je crois qu'ils appellent à la prière. Il faut sortir, les diotolines. Je comprends pas. Ça sonne pas les cloches. Ça sonne pas. Ça sonne pas de la même façon. C'est bizarre, leurs cloches. Enfin, bon, bref, il n'y a pas eu un bruit d'avertissement. Non, un appel à la prière. Il n'y a pas eu d'appel à la prière. Donc je vais à la porte. On va et se prendre puis... des pouces rouges avec vos conneries. Oui, c'est vrai. Donc je vais à la porte, même tout seul, s'il le faut.
pour aller essayer d'écouter, voire même de l'entrouvrir si j'entends rien. Je passe à l'intérieur. Genre le touriste égaré. Je le regarde faire de loin. Tu ouvres la porte? Et puis si j'entends rien, ouais, j'ouvre la porte, je l'entrouvre. C'est une porte assez lourde, je pense, donc tu vas pas entendre grand chose. La porte est ouverte. J'imagine. Je passe la tête. Il fait nuit. Ah mince, c'est pas éclairé en plus. Switch. Tête. Décidément, voilà. Je suis désolé. Comment on perd la tête? Toujours là, elle. À mon avis, il se passe des trucs ouais. Là-haut. Channel left your channel. Tu vas me mais faire dans la tour un fighting brawl, s'il te plaît. Dans la tour. Qui voyait ouais, pas ce qui je suis en train de chercher le fighting brawl. Ah oui, c'est dans... L'attaque, en fait, mon attaque de base. Alors, je trouve la tour maintenant. Ça y est. Ok, moi, je... alors attends deux secondes. C'est ça. C'est ça. Et moi, il est... ok, d'accord. Ok. Alors, c'est juste pour pas qu'ils le voient eux, mais t'as fait un régulier succès. Ouh, okay. Alors ça c'est exceptionnel. Oui. Je peux le cocher? Oui. Je le fais dans la tour aussi. Ouf, d'accord. Alors, je vais t'expliquer ce qui se passe. J'ai lamentablement échoué. J'ai fait 95. Ouf. C'est moi. Quelqu'un t'a pris le bras. Ok. Il a essayé de me tirer à l'intérieur. Ouais, il a essayé de te tirer à l'intérieur. T'as réussi à glisser ton bras en fait, à faire que quand il a chopé en fait ton bras, boum, comme il est tout petit, t'as des mains toutes petites et tout, t'as des ta main a glissé dans ta main. Et voilà. Et je me sauve. Je fais marche arrière et je me sauve. Encore une fois, okay. Pour en direction de mes amis. Quand tu te sauves, ok. Quand tu te sauves, tu entends les portes qui s'ouvrent à la volée. Tu fais quoi? Je cours en zigzag. D'accord. Ok. Toujours pas en direction de mes amis. Ok. Ok. Laisse-moi juste deux secondes, comme ça je serai prêt. Ok. Ça va fusiller. Ouais, j'ai l'impression. Ok. Un round de route. Ok, ça roule. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le dé pendant que je suis là. Ça, je vais savoir tout de suite. Dans la tour, Mathieu, ça sera mieux. Ouf, t'as de la chance. Ok. Ah, putain, je vais faire re 96. Je fais 95 et 96 avec mes dés. Ok, d'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que tu cours vers eux et tu vois les portes qui s'ouvrent à la volée. Et derrière toi, tu reconnais le bruit de certainement une arme ou une mitraillette et ça commence à allumer de partout. Ouf, un petit tous. D'accord. Derrière, ouais, je trouve le premier abri pour sauter derrière. Enfin, je cherche le premier abri pour essayer. Fais-moi un jet de chance avant de. Ça marche. Toujours dans la tour, hein, qu'ils le voient pas. Toujours dans la tour. Que je puisse leur décrire le truc. Ah, un loupé. Donc il y a pas d'abri. Bah, je continue de m'enfuir le moins possible. J'ai loupé mon tir, donc en faisant du zigzag, tu arrives à les arrêter et tu vas arriver juste devant eux le temps que tu décrives le tout. Mon objectif c'était pas d'aller vers eux, hein, je te rappelle, faut pas que j'attire l'attention vers mes amis. D'accord, ok. Ok, donc tu sors tout de suite à droite. Eux ils sont tout droit et toi tu sors à droite. Ça marche. On va voir. Je vais m'arranger par rapport à comment ils sont. Je vais leur demander. Je switch. User joined your channel. Ok, vous étiez resté où vous? Un petit peu à l'écart. À l'écart, ouais, devant, à droite, passait. À gauche. Ouais, plutôt devant, regardez ce qui devant, se passait. Devant, ouais, une distance ouais. Assez raisonnable. Bah, moi oui. Ok, vous, moi oui, parce que les autres non. Bah, les autres, j'en sais rien, hein. Écoute, chacun pour soi, apparemment, donc. Vous voyez Yann Steven qui a essayé de rentrer la tête. Il s'est reculé tout de suite. Il s'est mis à courir. Les portes de la mosquée se sont ouvertes en grand. Vous discernez des formes et elles sont armées et ça mitraille de partout. Ok, demi-tour. Yann Stevens a pris à droite. Yann Stevens a pris la première à droite et il a réussi à échapper les balles en zigzagant. Et vous mettiez absolument à couvert. Oui, moi je pense que. On court. Je sais pas ce qu'il y a devant nous, mais on court. Ok.
Vous courez dans les rues. Vous courez dans les rues, vous courez dans les rues, vous courez dans les rues. Le plus loin possible. On est suivi si on se retourne. Là, t'as pas envie de te retourner. Hein. T'as envie d'enlever tes talons. Et puis, Plus vite, Poppy. Ah non, t'avais pas tes talons, rassure-moi. Non, j'ai pas mes talons. Disons qu'après avoir couru une bonne distance, au moins vous trois, vous arrivez en bas du pont, quoi. Ok ? Oui. Là, déjà, okay. Ça fait une bonne distance à courir et à échapper au truc. Ian Stevens, t'es paumé. Bah, je switch pas, hein, mais... Ouais. Comme je... Tu sais pas où tu es. Ouais, puis surtout, je sais... Ça, c'est pas trop grave. Ce qui m'inquiète, c'est comment je vais retrouver mes amis. Mais le mieux, c'est peut-être de donner rendez-vous à l'hôtel. Donc je demande à des Turcs, en turc, où je peux bien trouver l'hôtel. Je m'y rends, soit à pied, soit... En tout cas, sans repasser par la mosquée. Ok, t'arrives à te faire indiquer ton chemin, mais t'es obligé de faire un grand détour si tu veux pas repasser par la mosquée. Oui. Ok. Je fais un grand détour. Ok, ça roule. Les autres, vous faites quoi? Est-ce qu'on était à côté du bazar? Le bazar, il est plus bas. Il est plus vers le sud. Je sais pas si t'as toujours la carte, mais le bazar, en fait, il est par là. Ah, c'est encore plus loin. Le bazar, c'est là. C'est là, hop, bah c'est presque où j'ai ma flèche là, tu vois. Quasiment là. Vous voulez qu'on aille voir Bellable Sien? Tu vois la petite marque blanche là? Bah c'est le bazar en fait. Ouais, si on passe à côté, peut-être, non? Enfin. C'est nous le traducteur quoi, peut-être. Ah mince, c'est vrai, oui, t'as raison, ouais. On parle pas turc. Oui, ne m'oubliez pas. Sinon, faudrait rentrer à l'hôtel si et puis vous allez dans le bazar, si vous allez dans le bazar, vous allez pas vous retrouver avant le soir. Ah ouais, ouais. Non, je pense que le plus sage, c'est de se réunir tous à l'hôtel. Voilà, voir si Monsieur Stevens est toujours vivant. Oui, accessoirement. Accessoirement. À midi, vous vous retrouvez tous à l'hôtel. Donc je leur dis que j'ai pas couru vers eux pour pas attirer l'attention. Donc t'arrives beaucoup plus tard, t'arrives au moins, pardon je te coupe, mais t'arrives au moins une heure et demie après eux. Ah oui. Mes amis. Qu'est-ce que vous avez vu? On était très inquiets. Et ben en fait, à part que... perdu. Oui, en fait j'ai pas couru dans votre direction pour essayer de pas attirer l'attention sur vous, mais j'ai l'impression que vous avez dû quand même essuyer quelques tirs. Effectivement. J'ai eu beaucoup de chance de m'en tirer, mais... J'en ai rien vu. J'ai juste failli être agrippé par quelqu'un qui, par un coup de chance incroyable, j'ai réussi à m'en sortir et ben filer après. J'ai eu la présence d'esprit de courir au bon endroit et puis en la bonne direction pour pas me faire tuer. Je crois que nous l'avons échappé belle. Oui, cette mosquée a l'air sous bonne garde. Ouais, elle est pas du tout abandonnée, ça. Oui. J'ai surtout fait réagir tout pourri, quoi. Bah, il nous reste aller voir Bellable Sien pour oui. Pour tirer ça au clair. Il nous reste l'après-midi. Ok. Vous mangez à l'hôtel? Bon remontant, hop, on mange, et puis c'est parti. Un petit couscous. Je me renseigne toujours savoir s'il y a eu du nouveau, d'autres messages. Pour le couscous? Oui, pour le couscous, c'est pour vérifier qu'il y a bien un couscous. Dans le couscous. Raté. Ok. Réussi. Ceux qui ont réussi, vous voyez quelqu'un passer. Et vous l'avez déjà vu dans les rues ce matin, en revenant à l'hôtel, vous l'avez déjà vu. Un montreur d'ours. Peut-être que c'est plutôt original. Quelqu'un qui voulait être discret. L'info qui tue. il est là, il joue avec son ours. Il fait monter son ours, descendre son ours. Ah oui, ok. Devant l'hôtel, hein, c'est ça? Oui, il nous fait un peu devant l'hôtel. Vous l'avez croisé dans les rues ce matin. Le dernier montreur d'ours, c'était pas à Lausanne? Non, à... Plus dans où, les pays slaves, là. Hein? Ouais, dans les pays slaves, ouais. Ouais, je sais plus où. Il y avait quelque des part.
Dans le village, je crois, non, dans le village avec Baba Yaga. Là. Non, c'était pas là. Zagreb. C'était pas dans le village. Mais là, c'est clairement un. Un montreur d'ours. Ouais, c'est clairement un gitan. Il ressemble à un gitan. Quoi. Ah non, hein, pas Baba Yaga qui nous suit. Hein. Est-ce qu'il fait attention à nous ou bien il fait son numéro sans nous regarder attentivement? Mais en fait, il se rapproche de vous quand vous avez fini de manger. Dans l'hôtel. Bah, vous êtes sur. Moi, je vous mets toujours dehors en train de bouffer, mais c'est vrai que je vous vois toujours sur les. Plus dehors qu'à l'intérieur des hôtels, mais bon, vous êtes sur la. Oui, terrasse. Il fait chaud, ouais. Ouais, oui, il fait chaud. Il vient vers vous en tendant la main, genre, il voudra bien une petite pièce. Ah, mais je favorise toujours le travail des artistes, mon cher, et hop, je lui donne. Pas une pièce, mais carrément un billet hein, de quelques livres où je ne sais pas trop quelle est la monnaie. Mais j'ai que des livres sur moi, sûrement, donc. Il te regarde et. Il te regarde, puis après, il vous dit à tous. Faites attention, mes amis. Et puis, il rejoint la foule, il passe devant vous. Puis, il a l'air de s'évaporer dans la foule. Enfin, s'évaporer. S'évanouir, oui. Enfin, de disparaître, enfin, de prendre la foule et de se barrer. Il s'évapore pas devant vous comme ça. Faut que je fasse attention aux mots que j'utilise. Non, mais ça le faisait bien. Ça le faisait voilà, bien. Il se mêle à la foule et vous le voyez plus. Mes amis, venir, ça c'est étonnant. Des amis ici. Bon, après, il n'y a rien de neuf, quoi. Non, c'est ce que j'allais dire. Oui, mais ça veut dire que nous sommes surveillés. Que d'un côté ou de l'autre, amis ou ennemis, on surveille nos agissements. Le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas qui sont nos alliés. Pas de message de votre divinité, Lord Richard? Ah, toujours pas. Toujours pas de signe. Pas d'ours, non. Je propose qu'on aille voir Belab le suivant pour en savoir bazar. Un peu plus. Qu'on le réclame au bazar. Ok. Au bazar. Peut-être restant prudent, vérifier si on n'est pas trop suivi quand même si à mon avis on le verra pas. Mais... On fait attention à nos affaires aussi pour pas qu'on se fasse voler. Aussi. Comment vous faites? Moi je fais attention à Miss Poppy par exemple. D'accord. Je surveille Miss Poppy. Ouais, non, mais pour Belab. Alors on va au bazar et puis on demande à voir Belab. Ah ouais, d'accord. Ouais, un marchand de. Le marchand te renvoie vers un autre marchand qui te renvoie vers un mec qui est là, qui te renvoie vers un autre qui est au fond du bazar et qui te renvoie vers un marchand d'épices qui lui l'a déjà vu, qui sait comment le contacter. Et là, c'est le moment d'observer vraiment la zénitude de Miss Ottolini qui arrive à supporter tout ça. Avec sa patience légendaire. Si, Lady Ottolini protège les arrières de Poppy. Et puis vous arrivez finalement avec un dernier marchand au bout d'une bonne demi-heure de « Allez là-bas » qui vous dit qu'il faut envoyer un message au bain turc annonçant l'heure et le jour du rendez-vous. Quel jour sommes-nous? T'as très longtemps que je n'ai pas regardé le calendrier. Voilà. Bah, ce jour-là. D'accord. Dans une heure. C'est quoi le délai envisageable? De deux jours si possible, on va éviter la nuit hein, si ça vous d'accord. dérange. Dans un bain turc, oui. Sinon, vous pouvez vous pointer au bain turc. Après, dans un bain turc, je pense que c'est un rendez-vous où il n'y a que ces messieurs qui iront. Ah, bah, bien sûr, ça c'est tout vieux. Hein? Parfait. Vous faites comment? Je demandais à la personne qui nous a conseillé de faire ça, il faut prévoir un délai de combien? On peut demander pour le lendemain? Oui, vous pouvez. Vous pouvez choisir. On lui laisse le mot. Ah non, pardon. On emporte le mot au bain turc. Oui. Vous vous retournez du dernier marchand que vous avez vu qui vous a filé l'info. Et devant vous, il y a l'ours. Sans le montreur, juste l'ours. Ah, tout seul? Il est là, il vous regarde. Il est avec... Ah bah attendez, j'ai peut-être quelque chose. J'ai bien une image d'ours quelque part.
Ça doit être carrément impressionnant de trouver l'ours nez à nez quasiment ouais, ça... dans un coin de d'Istanbul. Vous vous demandez ce qu'il fout là. Voilà, ben voilà. Oui, ça m'étonnerait qu'il soit admis dans les bains. Je regarde s'il a une étiquette sur lui. Une étiquette? S'il a une médaille. Alors là, il n'y a pas le gitan. Une médaille? Je vais voir l'image. Ouais. Oui. Il n'y a pas le gitan, il a juste sa muselière, là, comme il y a là. Il vous regarde. Et donc c'est le gitan que vous avez vu, c'est celui-là, tout à l'heure. Mais il est pas attaché ni rien, il est juste comme ça. Non, il est comme ça, il est devant vous. Personne ne... Apparemment, personne ne lui porte attention. Il vous regarde. Personne ne lui porte attention. Non, il passe à côté de lui. Puis arrive un moment, il s'en va. On le suit? Je propose de le suivre. On le suit. Vous suivez jusqu'à un moment où il rentre dans la foule et vous le perdez de vue. Bon, Lady, vous me trouvez peut-être moins incohérent maintenant. Là, je sais pas si des ours font partie du folklore divinatoire habituel, mais... J'avoue être un petit peu perdu sur le reste de la marche à suivre, là. Ah là, je me demande, putain, oui, d'accord, ok. Ah, j'avais pas la référence. Ok, vous faites quoi le reste de votre journée? Eh ben, nous allons au bain. Ouais, puis nous on attend, quoi. Comment ça, vous allez au bain? Non, c'est le lendemain qu'on a pris rendez-vous. C'est le lendemain que vous avez pris rendez-vous. Mais on s'en fiche, non? Ou en tout cas, faut laisser le mot au bain? Oui, c'est vrai. Oui. Donc on va au bain. Ok, bah vous arrivez devant les bains. Bah nous, on prend un thé à la menthe devant, parce qu'on va pas rentrer alors, dans les bains. Alors, si tu peux rentrer. Ah oui, tu peux rentrer ah bon, parce, qu'il y a, ouais, parce qu'il y a les bains pour les femmes aussi. Ah. Donc quand tu rentres, tu choisis avant. Ah, pas grand chose. Oui, il faut mieux choisir avant. Pas se tromper. A priori, ça s'impose. D'accord. Faut pas se tromper. Bon, après, je suppose que le mec, il va pas donner rendez-vous dans le bain des femmes non plus, mais bon. Bah non. Où on dépose le mot à l'accueil, oui. À l'accueil. D'accord. Et puis éventuellement on demande si Belaya est là. Ah, deux secondes, j'arrive. Belab, pardon, pas Belaya, Belab. Ouais, arrivé à un moment, à force d'écorcher le nom de mes PNJ, vous allez. Ouais. Vous allez avoir des malus d'XP. C'est quoi? Oh, c'est des noms exotiques, hein. C'est un peu dur. Hein. Donc juste vous pouvez les dire avec l'accent anglais. Juste Belab. Juste. Si monsieur Belab, le suant. Belab, le puant, le suant. Donc juste pour vous décrire les bains turcs, en fait vous rentrez, c'est composé de trois pièces en fait. La première est le kamekan, pardon, ou le enfin vestiaire quoi, en turc. D'accord. La deuxième est une pièce où le baigneur patiente dans un air chaud en préparation de la vapeur à venir. Et la dernière est le haratet ou le bain de vapeur proprement dit. Ok. Et donc, oui, les femmes peuvent rentrer dans la première pièce, puisqu'après il y a les bains pour les femmes et les bains pour les hommes. Et bien, c'est peut-être l'occasion. Ou jamais de montrer ma super carrure. Donc j'achète un billet pour aller au bain turc. Je me fais indiquer la direction de monsieur Bella le suant. Avez-vous pris rendez-vous? Ah, nous sommes au bon endroit. On va peut-être pas le tenter quand même parce qu'ils ont l'air un peu chauds. Une dizaine de personnes là où vous êtes. Eh bien, non, mesdames, nous n'avons pas pris rendez-vous, et finalement, s'il n'est pas disponible, tant pis, j'irai prendre mon bain tout seul. Nous, je pense peut-être on revient au plan du boire un thé à la menthe devant les bains, et qu'on va pas trop aller dans les bains, en fait. Ok, Yann, tout à fait. Yann Steven, tu vas dans les bains? Peut-être pas tout seul, si Lord Richard m'accompagne.
Désolé pour mon absence. Eh ben, parce que le manque d'intimité de ces bains turcs est totalement en dehors de nos mœurs anglaises civilisées, et donc non, nous irons boire un thé. Donc là, juste pour te dire, le Lord, oui. Lady et Poppy sont sortis des bains, okay, parce qu'ils n'avaient pas trop envie d'y aller. Yann Steven a demandé s'il pouvait voir Bellab. On lui a répondu sèchement, vous avez un rendez-vous. On souhaite en avoir un, juste. On a laissé le petit mot et je me suis dit que j'allais. Il a pris votre petit mot. Et disait donc qu'il y avait une dizaine de personnes dans la pièce où vous êtes là, en train de boire un thé, machin. Est-ce que l'endroit est fréquentable? Est-ce que je peux aller prendre un bain? C'est les bains publics, quoi. Ouais. Moi, je prends un billet pour aller prendre un bain public. Est-ce que monsieur Lord Richard m'accompagne? Mais oui, je vous accompagne. Allez, un petit bain, ça fait du bien. Ok. Le soir, les filles, on se retrouve, pardon. Pardon, mais... on se retrouve à l'hôtel en fin d'après-midi. Miss Hotline et Miss Poppy. Oui, enfin, peut-être qu'on préférerait que vous nous rejoigniez devant et. Ok. Nous n'allons tout de même pas nous promener toute seule dans cette ville de fous qui tirent partout. C'est vrai qu'on l'échappe belle. Okay. Non, on surveille l'entrée du bain, nous, pour voir si vous ressortez bien, on sait jamais. Voilà, un petit bain. Hop, je switch, c'est la soirée des switch. User was moved out of your channel. Il est où? Ah oui, là, je voyais plus là. User was moved out of your channel. User okay. Left your channel. Vous rentrez, donc oui. Vous allez dans la deuxième pièce, vous prenez des serviettes. Tout ça, vous rentrez dans les bains, il y a une quinzaine d'hommes dedans. Je vais vous faire passer juste une image, normalement, il n'y a que vous qui devriez la voir. Toujours pas aussi mal famé, hein. Vous avez l'image. Allez, ouais. Les bains, c'est pas terrible, je crois. C'est pas terrible, et. Et c'est dangereux. Faites-moi un jet de toc. Ok, je peux accéder à mon personnage, je te fais ça. Il y a l'image qui Faites-le moi dans la tour. Je voudrais pas que les autres le voient, s'il vous plaît. Un jet de toc. Voilà. Ok. C'est trop louche. Est-ce que tu veux... non, pire que ça. Le Lord, est-ce que tu veux dépenser oui. Des points? C'est 15 sur 27. Oui, parce que je suis assez méfiant, donc je fais quand même très attention, et oui, je dépense des points. Ok. Tu peux pas dépenser de points, Yann Steven, puisque t'as fait un funball. enfin, fumble. Je dis toujours funball, mais c'est fun. Oui, fumble. Fumble. Donc tu dépenses 15 points. 15 points, c'est tu fait. Tu descends les marches, t'arrives, enfin, tu vois à peu près le truc, là. Tu vois, t'as la carte qui est ouverte. Mais pas de token, ça va aller très vite. Tu descends les marches. Tu avances jusque là, il y a une quinzaine de personnes dans le truc. Tu regardes autour de toi, ils sont tous armés. Ok. Ils ont leurs serviettes autour de la taille et derrière. Et y en a un qui prend un pistolet d'une étagère, l'autre qui sort un fusil de derrière son dos et il vous braque. Il y en a un qui s'approche de vous, il a une matraque dans les mains. Ok, on recule, on non, montre en bien. Il y a derrière qui est armé. Ok. Du calme, 3, on est là. 2, 1, ils sont 4 à s'approcher, 5 à s'approcher, 6 à s'approcher de vous. Menaçant ? Ah oui, menaçant, oui. Il y en a qui vous pointent avec leur fusil, mitraillette, fusil, arme de poing, et des mecs qui arrivent avec les battes devant vous. Il y a le premier qui est devant toi et il te fout un grand coup de. On s'enfuit. Tu peux pas t'enfuir. Ok. Non, on est entouré. C'est coup derrière la tête. Si vous bronchez pas, vous me dites ce que vous faites. Sinon, vous allez vous prendre un coup de matraque. Ben, on va se prendre un coup de matraque, c'est encore mieux qu'il peut juste nous arriver. Ok, vous tombez dans les pommes. Ok. Tous les lords, et... Et ça va être chiant. Pourtant, là, on avait... deux groupes, là. On avait pris nos précautions, on essayait de voir quand même si c'était louche. Mais ouais. Je vais vous laisser mijoter un truc quand même, parce qu'elle est. Ok. Vous vous réveillez. Ah bah. Vous ne savez pas quelle heure il est. Quel jour ? Quelqu'un est. Vous êtes. Apparemment, ça pue. Ça pue. C'est incroyable. Il fait sombre. Quelqu'un, vous êtes. Quand vous ouvrez les yeux, ce que vous voyez devant vous, c'est des barreaux de prison. Ok ?
en fait. Il y a un banc. Vous êtes dans ce qui semble être une cellule de pierre. Il fait frais. Très frais. Une ancienne cellule dans le sol, certainement. Dans une cave, quelque chose, vous savez pas trop. Il y a de l'humidité qui ruisselle des pierres. Vous voyez un homme qui est là, dans l'ombre. C'est très certainement en train de fumer une cigarette. Il n'est pas dans la cellule, il est dans le couloir devant votre cellule, d'accord ? Il fume sa cigarette. Faites quoi ? Une fois vous réveillez, vous réveillez doucement avec le mal de crâne derrière. Je demande qu'est-ce qu'on fait là, où est-ce qu'on est ? À l'homme en turc. Il répond pas. Il est, vous voyez qu'il finit sa cigarette, il écrase sa cigarette et il s'en va. Et là, si avant de s'en aller, vous faites. Je vous laisse entre connaissances, vous allez pouvoir discuter, vous avez beaucoup de choses à vous dire. A bientôt, je reviens. En anglais ? En anglais, oui. Et on l'a pas reconnu. Non. On connaissait pas ce monsieur. Vous entendez un. Il y a quelqu'un dans la cellule avec lui ? Il vient du fond de la cellule, ouais. On va voir ça, on essaie de trouver où est-ce qu'il est. Quelqu'un qui est... Apparemment, c'est sous des couvertures, sous toile de jute, vous savez, des vieux sacs à patates, tout ça, vous savez pas quoi. Ça sent pas bon, ça sent pas bon. Ça pue, vous êtes à la limite de vomir. Et on est toujours dans le plus petit appareil, je suppose. Ouais, okay. Si, vous ont remis vos pantalons, faut pas déconner quand même. Ah. Vous avez pantalons et chemises, ou enfin, chemises, ou... D'accord. Je sais pas ce que vous aviez certainement des chemises, donc ils vous ont mis pantalons, chemises. Je l'ai soulevé, la toile de jute. Qui est là ? Quelqu'un dans cette cellule avec nous ? Le Lord, c'est vous ! Le Lord, combien de temps que je suis ici ? Le Lord, mais c'est vous, c'est votre voix ? Oui, c'est moi. Vous soulevez la toile de jute. Devant vous, il y a quelqu'un d'allongé, mais il lui manque des parties. Il lui manque un bras, il lui manque une jambe. Il a été atrocement mutilé. Le Lord, c'est vous ? Harry ? Non, c'est moi, le professeur Smith. Professeur Smith, vous êtes là. Et il se met à pleurer. Et je le reconnais aussi ? Oui. Tu l'as vu. Et vous vous taisez. D'accord. Ok. Par moi, en fait, t'as accès au bouquin. User was moved to your channel. Ok, les filles, vous faites quoi ? Nous papotons en buvant notre thé et en surveillant voir si les garçons sortent. Ils ne sortent pas. Ça fait longtemps qu'on attend ? Une heure. Une heure ? Une heure et demie. Ça fait long pour un bain ? Deux heures. Deux heures et demie. De toute façon, on peut pas aller les chercher, donc... On peut demander quand même à l'accueil, savoir... Si vous voulez discuter entre vous, le Lord et Ian Steven, vous pouvez vous mettre dans un chat. D'accord. Et j'avancerai pas okay. Plus... Bah écoutez, Poppy, je propose que nous allions tout de même demander à l'accueil, ils sont bien longs. Oh, il doit avoir des choses à se dire, votre homme. Ah, tout de même, deux heures ? Deux heures et demie. Surtout que nous surveillons la porte et il n'y a pas eu d'autres... Peut-être ? Est-ce qu'il y a d'autres entrées ? Si on essaye de jeter un coup d'œil sur les bâtiments, on voit s'il y a une entrée secondaire. Quand vous faites le tour, oui, effectivement, il y a une sortie, une porte que vous pensez qui soit communicante. Oui. Pardon. Bon, bah, peut-être... Ouais, on va aller voir l'accueil. Ok, vous rentrez dans l'accueil. Vous cherchez ? Oui, nous avons deux de nos amis, des Anglais, qui nous avaient donné rendez-vous en face de chez vous, mais ils tardent un peu. Pourriez-vous leur dire que nous en avons marre de les attendre ? Ah, mais oui, je crois qu'ils prennent du bon temps. Ils sont très certainement en train de prendre du bon temps, mais allez les chercher dans la pièce à côté, là, juste à côté de... Il y a un sas avant de rentrer dans les bains turcs des hommes. Vous, ah, ce n'est pas... Vous ne craignez rien. Non, allez-y, je vous en prie. Moi, le mec, il me dit que je crains rien, je lui fais pas confiance. Hein. Je sais pas ce que t'en dis, Poppy, mais... Non, moi non plus. Et puis bon, un pays musulman comme ça,
Mais il y a une pièce avant, il y a un sas, hein, donc ils sont là, enfin, ils sont peut-être là, juste là en train de boire un thé dans le... À côté. Prudemment, allez-y. Je vais y aller très prudemment et essayer d'ouvrir la porte en grand avant de pénétrer dans la salle pour voir si c'est pas un guet-apens. Donc tu vois, j'ouvre la porte bien pour que style, même ça va claquer de l'autre côté du mur, qui est pas du tout dans les conventions. La porte s'ouvre vers toi. Merde. Donc, tu vas pas la claquer du mur. Non. Avant de pénétrer dans la pièce, j'ouvre la porte en grand. Voilà. Ok, devant toi, une dizaine d'hommes armés. Poppy, tu vois un mec. Il referme la porte. Non, attends. Poppy, tu vois celui qui était au comptoir, il sort un fusil, il te braque. Les personnes qui sont là, qui étaient dans l'avant, ils vous braquent tous avec leur fusil. Je pousse un hurlement hystérique. Deux solutions. On utilise la manière forte. Où vous nous suivez? Non, mais la manière forte, là, on a un désavantage numérique évident. Donc, ça sera la suite. Enfin, on les suit, quoi. Ok, ils vous font passer par les bains turcs des hommes. Il n'y a personne. Je ferme les yeux. Non, il n'y a personne. vous passez les bains turcs. Hein, vous sortez par une petite porte derrière. On vous bande les yeux. On vous met dans une voiture. Vous roulez pendant. Vous avez du mal à trouver le temps. Vous savez pas, pensez à rouler pendant un petit quart d'heure, 20 minutes. Ouais. On vous descend de la voiture, on vous fait avancer, on vous fait rentrer dans un bâtiment qui vous semble plus frais. Vous avez donc les yeux attachés. Vous descendez des escaliers. Il fait encore plus frais, ça résonne. Vous êtes dans des couloirs. Pensez être dans des couloirs, ça résonne vraiment beaucoup comme si vous étiez dans une cave ou quelque chose comme ça. Le Lord et Yann, vous entendez arriver du monde. Je vous switch pas. Hein. Oui. Les mains au barreau, le Lord et Yann, vous venez de faire ce que je vous ai raconté. Enfin, il vient d'arriver ce que je viens de vous raconter. Vous vous retournez, vous entendez du bruit, vous vous retournez. On jette Lady et Poppy avec vous dans cette espèce de prison. Lady, vous atterrissez par terre, vous avez été jeté, Lady Otteline et Poppy, vous avez comme des sacs de pommes de terre. Je viens tout de suite les ramasser. Et vous entendez pleurer. Aidez-moi, je suis ici depuis trop longtemps. On reconnaît la voix? Mesdames. Poppy, non. Lady Otteline, non. Mesdames, je... Gardez vos distances, je pense que la vision est assez atroce pour que vous ayez à subir encore un autre malmenement. Ça n'est pas trop le mot. Est-ce qu'elle est malmenée, quoi? C'est un cachot, c'est une pièce, on voit quelque chose, c'est une pièce Une prison. Vous êtes dans une prison et il y a un corps qui est étendu. Ah, c'est une cellule. Ouais. Écoutez, je vous présente le professeur Smith. Enfin. Aidez-moi, trop longtemps que je suis ici. Le professeur Smith. Smith. Je vais à dire que je vous ai écrit encore pas très longtemps. Vous pouvez pas dire que j'étais là. Je vais tout de suite le voir pour voir dans quelle santé il est, je diagnostique sa santé. Tu lui donnes pas longtemps. Ah oui, genre moins d'une heure. Ouais. Ouf, d'accord. Professeur, on a ramené le simulacre. Mais quel simulacre? J'ai été attaqué chez moi. La chose que je me rappelle en Angleterre, c'est la conférence où on était ensemble d'ailleurs et je me suis fait attaquer. J'étais attaqué. Vous avez des nouvelles de Bédo? Qui est devenu Bédo? Ah oui, quand même. Eh bien non, nous n'en avons pas. Que faites-vous là? Comment vous m'avez retrouvé? Eh bien, je... C'est une courte circonstance. Je crois qu'on a suivi presque le même chemin. Et vous savez pas depuis quand vous êtes ici? Mais le lendemain de la conférence, à peine, oui, la nuit même, je me suis fait attaquer la nuit. La nuit de la conférence, je me suis fait attaquer.
Donc ça fait plusieurs semaines mais que vous plusieurs, êtes ici. Plusieurs mois que je suis ici, oui. J'essaie de le soulager comme je peux pour que... Avez-vous réussi à savoir quelque chose sur vos ravisseurs? Mais pas du tout, pas du tout. Ils m'ont écorché, ils m'ont pris des membres. Ça fait des mois qu'ils me torturent. Tout cela pour leur pur plaisir. Mais qui sont-ils? Que veulent-ils? Bien... J'ai bien peur que... J'ai bien peur que nous soyons en face de des membres de la secte du de la chair écorchée ou quelque chose de ce genre-là. Que ce soit les personnes qui nous empêchent effectivement de rassembler les morceaux du CFDFK ou qui souhaitent qu'on les morceaux réalise. De quoi? Vous savez, vous nous aviez confié une mission d'aller rassembler et de détruire. Pauvre fou, je ne vous ai rien confié du tout, pauvre fou. Qu'est-ce que vous racontez comme sornette? La dernière fois que je vous ai vu, c'était à la conférence Challenger. Ah oui, vous étiez pas brûlé, vous avez pas eu un mais accident. Pas du tout. Votre maison a bien brûlé pourtant. Mais c'est pas lui qu'on a vu. Je me suis fait attaquer le soir en rentrant chez moi. Ma maison a brûlé, mais et Bedeau? Qu'est-ce que vous me racontez là? Je crains que vous êtes en train de nous avouer, nous confirmer que nous avons été manipulés depuis le début. Vous pouvez me faire un petit jet de scène? Moi? Je crois que je peux faire aussi un jet de scène là, c'est compliqué. Mais vous, tout le monde, faire non? Un petit jet de scène. Oui, vous, oui. Ah ouais. Oups. Réussi. Ceux qui l'ont réussi perdent un point. Est-ce qu'il y en a qui l'ont loupé? Oui, moi. Oui, bien sûr. Les autres, vous me perdez deux points, comme ça. Qu'est-ce que vous me racontez? La dernière fois que j'ai vu le Lord et Ian Stevens, c'était à la conférence. Oui, vous aviez projeté un film, c'est oui, ça sur... c'est ça. Depuis, je me suis fait attaquer. On m'a kidnappé le soir même. Oh, misère de... Effectivement, au visage, il n'est pas brûlé. Il a aucune trace, en tout cas. On regardera ça plus tard, mais je pense qu'il y a... On les a parmi à zéro, les finis de sa vie. Ok, remettons-nous. Où sommes-nous? On est où? Je ne sais même pas où nous sommes. À Constantinople. Pardon? À Constantinople, tout à fait. Et mais pourquoi est-ce qu'ils auraient cherché à vous capturer alors? Pour quelle raison? Et pour réunir le CDFK, c'était le... Pour nous manipuler. Le but à l'origine. Pour faire le travail. Ouais, en fait, on est là dans leur basse... Dans leur bas quartier, en fait. On s'est fait avoir, en fait. Enfin, vous êtes fait avoir, moi je suis arrivé vous, après. Vous êtes fait avoir. Après, nous avons suivi par la suite. Mais oui. Oui. Oh, misère. Misère de misère. Donc, nous avons cessé de rassembler tous ces objets en croyant vouloir les détruire. Et en fait, qu'est-ce qui est vrai dans cette histoire, finalement, dans ce carnet que vous nous avez remis, le parchemin que vous nous avez laissé ici? Est-ce qu'on peut... Non. Eh ben... Il ne reste plus qu'à savoir qu'est-ce qui est, on va dire, tangible, enfin, qu'est-ce qui est encore réel parmi tout ce que l'on a fait, et qu'est-ce qui est mensonge. Mais comment êtes-vous arrivé ici? Nous avons été aussi capturés et enlevés. Mon Dieu. Je crains que nous soyons dans un endroit où on oublie les gens. Après... Dans des lieux bruts, pas... qui s'approchent. Il s'est passé une peu de demi-heure. Recule au fond de la cellule. Oui, je m'écarte un peu aussi, je me mets dans l'ombre. Moi j'ai envie de faire pipi avec tout le thé qu'on a bu avec l'audio de Pardon. C'est le stress, Poupie. Vous... Attendez juste deux secondes. Ok, d'accord. Hop là. Faut juste que je prépare. Je prépare quelque chose. Voilà. Vous entendez... Vous entendez... Dans le couloir, les bruits de pas qui arrivent.
une ombre se profile. Vous voyez celui que vous avez vu comme le montreur d'ours. Vous avez reconnu comme le montreur d'ours. Il est là, devant vous. Et il tient dans sa main, ou plutôt, il tient en l'air, par les cheveux, une tête. Et... Est-ce qu'on reconnaît la tête ? Alors, de notre geôlier ? Vous ne reconnaissez pas la tête. La tête, c'est ce personnage-là. Alors, il est encore... l'image de la tête est encore accrochée au corps. Hein, mais vous n'avez pas le temps de le croiser avant. Okay, il tient donc un vieux personnage. J'espère que c'est identifié. Ok. Et celui-là, vous voyez la tête. Et encore du sang qui découline de partout. Le montreur d'ours a un couteau large dans les mains, très long. Il tient la tête au-dessus. Et il la regarde et il fait Ah, cher père. Pas assez ambitieux. Et il jette la tête plus loin et rebondit contre les murs. Il fait plaf, plaf, plaf. Quand il se retourne, vous êtes sûr que c'était le montreur d'ours. Et en fin de compte, quand il se retourne, vous avez ce personnage-là devant vous. Qui s'allume une cigarette. Qui vous regarde. Ou qui vous sourit. Je crois pas qu'on lui sourit, nous. Attends, l'image. Il s'appuie sur le mur. Donc il allume sa cigarette. Et. Alors, vous avez retrouvé ce que vous cherchiez. Qu'avons-nous à faire? Ah ben je sais pas. Il paraîtrait que vous étiez à la recherche de quelque chose, non? Et vous êtes? Et vous? Ah, excusez-moi. Monsieur Bellal? Je m'appelle Macriat. Mehmet Macriat. Quant à vous, Poppy, Lady Oteline, Ian Steven et le Lord Richard. Voilà, les présentations sont faites. Ah, et cette tête qui roule encore et qui me regarde de loin, c'était mon père. Mais grâce à vous, j'ai pris sa place. Grâce à nous? Comment ça, grâce à nous? Vous m'avez apporté un simulacre. Maintenant que je l'ai, je vais pouvoir enfin avoir ce que je désire. Et vous? Où en êtes-vous dans votre périple? Pardon, mon périple. Vous voulez dire je que vous c'est... Je vous dois une fière chandelle. Et je vous en remercie. Maintenant que je suis à la tête des frères de la chair, plus rien ne m'arrêtera. Pendant trop longtemps, les frères ont été passifs. Ils se contentaient juste d'atrocités et de malveillance sans envergure. Ils servaient juste l'écorcher, aveuglément. Mais ils ne voient pas qu'il n'est qu'une arme de plus dans notre arsenal, à utiliser à notre guise. Avec son aide, nous dominerons le monde. Avec moi à la tête des écorchés, nous dominerons le monde. Malheureusement, avant que je ne m'en aille et que je retourne en Angleterre, je vais devoir peut-être prendre le temps de m'occuper de vous. Faites-moi un jet de toc. Toc toc. Étrangement, vous avez l'impression que des fois, quand il se tourne, quand il vous regarde, il y a des reflets sur sa peau. Couleur. Des reflets de quoi? Couleur CDFK ou... Couleur acier, ouais. Couleur pierre, ouais. Couleur. Ouais. Il a quelque chose sur la peau, vous savez pas quoi. Enfin, il y a quelque chose dans sa peau ou sur sa peau, vous savez pas quoi.
Il aurait déjà récupéré ses DFK? Déjà. La journée était longue. Oui. À l'après-midi. Devant partir promptement pour l'Angleterre, je ne pourrais hélas pas contempler votre mort. Mais qu'est-ce que vous allez faire en Angleterre? Attendez, ne soyez pas si pressé, cher Ian Stevens. Votre empressement a failli ne pas me ramener mon armure. Voyez-vous, hélas, je ne pourrai pas contempler votre mort. Vous êtes atteint par la corruption. Et ce, depuis que le pouvoir de Sedefkar a été activé. C'est-à-dire une petite demi-heure. Vous l'aviez depuis longtemps, vous allez souffrir. Je vais vous faire libérer de vos chaînes. Ainsi, vous verrez de plus près les façons amusantes dont vos corps vont se pervertir. Quant à moi, pour l'instant, il se frotte le bras, je suis protégé par le simulacre. Il devra bientôt être rechargé, mais la corruption ne débutera pleinement que dans une centaine d'heures. D'ici là, j'aurai récupéré le rituel de purification à Londres. Par contre, à la fin de cet intervalle, ou peu après, vous ne serez plus que des choses pitoyables. Des bêtes immondes et malsaines. Alors, vous cesserez d'être fait de chair. Votre substance insalubre sera pour toujours attachée au poitrail putride de l'écorché. Adieu. J'ai laissé sa langue à votre ami le professeur. J'ai bien rigolé avec lui. Il m'a bien servi. Sans son aide, j'aurais pas recueilli une équipe aussi performante que la vôtre. Il faut dire que ça, performant, vous l'avez été. Et que donc est devenu ce Fenalik? Il vous suivait? Messieurs, dames, auriez-vous perdu votre langue? Il nous a promis de se venger et je pense qu'il est à votre recherche. Depuis de nombreuses années déjà, avons-nous cru comprendre. Ah, en fait, vous qui me semblez si sûr de vous-même, Lady Otteline, je ne cherchais pas votre cher ami. T'entendais pas qu'il arrive? Et une femme se place devant toi, devant la grille. Elle ressemble étrangement à Miss Porter. Lady Porter. Ouais. Elle met sa main sur son visage. Fais-lui voir. Elle arrache la peau. Elle s'arrache la peau. Ça se décolle de tout son visage. Et en dessous, tu vois le visage d'une femme turque, un peu le regard fou. Et elle te fait voir, juste à côté, la peau de Gladys Porter. Voyez ce que nous sommes capables de faire. Et tu vois qu'elle le jette au loin, le visage de Gladys. Et soyez heureux de ne pas subir le même sort. C'était quand même assez drôle de vous duper, de faire ça depuis si longtemps. C'était très drôle de voir toute votre cavalcade pour me servir. Quant au simulacre, rassurez-vous, j'ai inventé de toutes pièces la rumeur d'un moyen de détruire. Pardon, excusez-moi. J'ai inventé de toutes pièces la rumeur qui dit qu'il existe un moyen de le détruire. À ma connaissance, il est indestructible. Alors, sur ce. Vous savez qu'il ne vous laissera pas faire. Il va le reprendre, il va finir par le reprendre. Ses fidèles viendront le reprendre. Ils l'arracheront de votre corps. Bien, nous verrons. En tout cas, pour l'instant, ses fidèles, tous ceux que je connaisse, je suis leur chef. Il reprendra son bien. Oui, vous n'êtes pas seul. Et nous non plus, d'ailleurs. Je ne sais pas de qui vous parlez, mais. En tout cas, cher Lord, sachez que je suis maintenant à la tête de ce que mon père a essayé de créer et de ce que je vais essayer de faire prospérer. Et vous ramperez à ses pieds. C'est cela, oui.
Allez, adieu. J'ai laissé sa langue à votre ami le professeur. Là. Ainsi, les jours passeront plus vite, jusqu'à que la corruption vous pousse à le dévorer. Pour ma part, un meilleur repas m'attend à bord d'Orient Express. Ladies and gentlemen, goodbye.